Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière pro avec Aston Villa. On est à la 28e journée, 4e position, à 3 petits points de Manchester City. Tout est possible. Alors oui, certes, on a un match d'avance, mais on a quand même le même nombre de matchs que Liverpool. On a 5 points d'avance sur Liverpool, c'est dire comment on est. Concernant mon pro, j'avais vraiment mal optimisé. Du coup, j'ai changé quelques petits trucs. On est passé à 85 de général déjà, ça peut que nous aider. Et aussi, j'ai mis des points en coup franc. Je suis à 86 en coup franc. Je vais voir si j'ai les coups francs. Si j'ai pas les coups francs, j'enlèverai tous les points et je remettrai tout en passe. Et par contre, on passe à 4 étoiles de mauvais pied. Donc, il va falloir que je fasse attention avec les frappes pied gauche. Même les centres, à mon avis, va falloir que je repique et puis que je sente sur mon pied droit parce que les centres pied gauche, ça va être quelque chose. Mais en tout cas, on passe à 85 de général. On a 2 gros matchs. Après. Puisque là, on va jouer Norwich, Watford, Manchester City. Et on va s'arrêter contre City. Enfin, on va jouer contre Leeds, ça fera 4 matchs. Et par contre, dernier épisode, il va y avoir 5 matchs. Les Spurs, Manchester United, Chelsea, Burnley, Liverpool. Autant vous dire que cette fin de saison va être très, très tendue. Mais pour croire au titre, il faut déjà remporter ces 2 prochains matchs. Parce que là, Norwich et Watford, ils sont bien mignons. Mais on est clairement au-dessus d'eux. Collectivement, tout ce que vous voulez. Donc, j'espère que ça va le faire. On est parti pour ce match contre Norwich. Normalement, ça devrait le faire. Avec le collectif qu'on a, on devrait les écraser. Bon, les maillots, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Ok, waouh! Ah ouais, il est rapide lui là, il a fait un crochet, il a poussé sa balle. Il a poussé sa balle, laisse tomber. Attends, il se passe quoi là? Les gars? Dès le début du match, Paco Alcacer, l'ancien du Barça, l'ancien de Valence, qui plante, ancien du BVB aussi. Ok. Deuxième but en 7 matchs. Ah, il vient d'arriver à Norwich là, ça se passe comment? J'ai pas compris là. Allez hop, ça dégage. Allez, on part à ma cheville! Aïe! Carton rouge presque, non? Oh, je tire les coups francs. Si je tire les coups francs déjà d'ici. Oh là là. C'est pour nous les coups francs, les gars. Box, les gars, box. Oui! Oh, il l'a pas repris. Dommage, Trezeguet, t'étais sur la trajectoire. Tu fais quoi, Trezeguet? Bouge-toi. Replace-toi. On va courir après le score, ça va être un peu chiant. Mais c'est pas grave. On donne tout. Il y a un peu d'espace devant lui. Oh! Oh là là, oh là 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 là, le festival, ça veut me casser la cheville là dans ce match, j'ai l'impression. Faut faire attention. Allez, premier poteau. Pourquoi je tire pas les corners par contre? Je tire pas les corners parce que je mets des têtes. Oui. Oh là 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 là, il a failli faire un CSC, dommage. Oh là là, dans ma poche. Dans ma poche. Rouge. Mets-lui le rouge. 14 minutes de jeu, ça fait 2 fois qu'il me fauche par derrière là. Oh, j'aurais dû m'écrouler par terre. Elle peut se tenter, hein. Elle peut se tenter. La claquette du gardien. Par contre, j'aimerais bien tirer les corners en vrai. Mais bon, si je mets une tête. Oh, dommage. Oh là là, dommage, ça joue bien. Y a main, un coup franc. Allez, c'est pour moi. Allez. Un petit coup franc. Il est beau, la claquette. En vrai, on peut apporter du danger maintenant sur coup franc, c'est cool ça. Oh la tête, elle est belle. Je cadre pas. Je suis là, Dani. Je t'ai vu, elle est belle. Allez, on revient partout. Bien joué, Kudus. Oh, il va voir le coach à mon avis là. Ouais, c'est largement mérité au vu de cette première période. Franchement, même si on revient à 2-1 à la mi-temps, ce serait pas volé. Tellement on a dominé... les débats là. Oh là là. Frappe, y'a plus de gardien. Mais oui. Le 2-1 juste avant la mi-temps. Trezeguet qui marque dans le but vide. Parfait. Là, c'est des vagues d'attaque qui tombent sur la tête de Norwich. Ils ont de la chance de marquer le premier but, mais derrière. Derrière, c'est n'importe quoi. Oh, je pensais que ça passait. Aaron, ce qui a bien défendu. Oula, oh à cause de moi, oh pas quoi le casser. Non, il est hors jeu. Oh, je suis dégoûté. Ah, c'est une occasion, même pas une demi-occasion, un but quoi, à chaque fois. C'est horrible Norwich à jouer. Mi-temps,
partout. 2-2, je suis dégoûté parce qu'ils égalisent sur une perte de balle que je fais sur le côté. Et derrière, Paco Alcázar qui part tout seul au but. Oh, si Liverpool gagne, ce serait parfait parce que City est bien placé. Chelsea 1-0 par contre. Manchester United 1 partout. En vrai, si City perd, c'est résultat parfait. Nous, faut qu'on gagne. Faut qu'on gagne absolument. Oh, je te la remets. Oh, c'était pas pour lui. Dommage, il fait n'importe quoi. On s'est gêné là sur cette occasion. N'importe quoi. Il y a trop la place pour mettre ce troisième but en vrai. Mais j'ai trop l'impression qu'en deuxième période, ils vont se réveiller Norwich. Bon, je sais que je joue pas à mon poste, hein, mais c'est pas grave. Ok, super ça. Allez, Dani. Allez, Dani, pousse-y, garçon. Oh, tu vas... Attends, le centre. Oh, le défenseur qui a pas été dessus. J'étais obligé de prendre le couloir, sinon ça passait. Allez, là, là, là. Mais non, mais t'abuses. Oh, en bas. Ok. 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 Ok, ça pue. Ok, d'accord, on passe plus le rond central, tout va bien. Première période, on les a ultra dominés. Deuxième période, on n'existe plus. On sait plus faire trois passes. Non. Oh, le bout de doigt de pied. La frappe était trop bizarre. Ouais. Ça, c'est bien joué, ça. Ça passe. Allez, Dani. Rejoue derrière, rejoue derrière. Ouais. 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 J'aurais pas dû lui demander de tirer. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Il reste du temps, il reste du temps. Il va en rester une dernière. Ça revient, ça. Faute. Laisse l'avant. Quoi? Pardon. Il lui saute sur le dos, c'est lui qui... Mais n'importe quoi, c'est quoi cet arbitrage? Oh là là, c'est bien joué ça, allez. Oui. Oh, Dani. Dessus. Oh super. Oh super, garçon. Je fusille au premier poteau, il arrête ça. Oh, j'ai la haine. Ah, oh, j'ai la haine, en plus main opposée. Oh, faut marquer là, sinon c'est fini. Oh, c'est une chandelle, c'est nul. Oh, je suis dégoûté, dégoûté. Aïe, 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 ça fait mal parce que franchement, il y avait vraiment la place, mais... On sait surprendre au début de match et puis après derrière, c'est moi qui fais une boulette et deuxième période, 17 tirs à 7, comment on fait? Comment on fait? Liverpool 2-0 City. Bon, bah, on regrappille un point sur City. Mais bon, c'est pas l'idéal, quoi. L'idéal, ça aurait été 3 points. On aurait dû être deuxième, là. On aurait dû être sur le même nombre de points que City. Bon, là, par contre, on a été gentil, mais là, Watford, plus le choix, c'est la victoire. Victoire, pas le choix. Allez, let's go. On est parti pour ce match. Watford Football Club. Ouais, mais là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut absolument qu'on gagne. Laissez-nous les points, s'il vous plaît. On joue le titre, nous. Ou quasiment le titre. Dessus, là, les gars, on les regarde jouer. Ok, 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 ok. Allez, allez, allez. Il nous faut tellement... Oh oui, oh oui. Bien muselé par le défenseur. Attention, ça peut devenir intéressant. Oh là là, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Au bon moment, j'ai attendu pour Dani. Service. J'ai attendu le dernier moment que le défenseur revienne sur moi. Bon, bah là, il court, il court, il court. Je sais pas ce qu'il a fait. Puis derrière, on le donne à Dani. Au premier poteau. Pom. 1-0. Il est tout seul. Il est tout seul, Guirassy. Hein. Ok. Il est tout seul, mais il s'en sort. Allez, 6 mètres. Oh, il est passé. Aïe, aïe. Oh là 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 là, ça joue bien. C'est pas cadré, Dani. Oh, t'étais proche des buts pourtant. Il a fouetté extérieur du pied, mais ça rentre pas. Dessus. Allez, voilà, le pressing qui paye, mon gars. Ah, il est très aigué. Oh là là, les gars, mais appliquez-vous. Oh là là, oui, oui. Oh là là, bien joué ça, les gars, la claquette. Écart sur Dani. Oh là là. Mais, oh, Dani, qu'est-ce que tu nous as fait? Attention, le centre pied gauche. Oh, il est pas mal en vrai. Hein. Pas dégueu. Hein. Ok, mi-temps.
On mène 1-0, clairement. On maîtrise totalement ce match. Watford n'est pas du tout dangereux. Par contre, il n'y a que 1-0. Donc, deuxième période, il faut qu'on plante plus de buts pour s'assurer les 3 points. City qui refait 1-0, 1 partout contre Arsenal en plus de ça. Chelsea qui gagne, ça c'est chiant. Liverpool qui gagne aussi. Ok, ok. Il faut absolument gagner ce match. Le prochain match, c'est contre Chelsea, Manchester City en plus. Ah, il m'a pas vu. Ah, il m'a pas vu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Corner. Ok, il n'y a pas corner, mais c'est pas grave, ça revient ça. Hein. Aïe, 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 Flo. Non, tu veux pas jouer en bas. En haut, là, là, ici. Je t'ai vu entre les deux. Oh là là, c'est magnifique ça. Allez, appliquez-vous, les gars. Oh oui, oh oui. Encore hors de temps. Dommage. Ça sort. Oh, monsieur l'arbitre de touche. Oh non, oh non. Oui, Martinez. Aïe, 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 aïe. Oh, bien joué, Titi, le pied. Devant, devant, bien joué. Oh là là, on va. Faut pas qu'on perde de points. Oh, et puis Dani qui sort. Oh. Oh là là, l'action est belle. La claquette. Oh, il va chercher ça, lui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, les gars? Fermez les frappes! Mettez-vous sur les trajectoires, là! Laissez-le pas tirer dessus, quoi! Mais tu fais quoi? Tu vois bien que je suis derrière lui! Il est con, quoi, lui? Pourquoi ils m'ont pas mis Dani, là? Oh. Ok. Ok, attends avant de me la rendre. Oh là, il sait pas contrôler, il sait rien faire. Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Oh la barre. Là, là, en retrait. J'ai, t'inquiète, j'ai. On n'a pas de réussite. Ils sont tous derrière. Oh, j'ai peu le temps de la remettre. Je m'attendais tellement pas à la voir. Il faut qu'on la récupère, faut en avoir une dernière. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh merci Martinez. Ça va être dur. Allez, faut tout donner sur ce ballon, il faut monter. Oh, je suis passé. Je suis passé. Mais non, mais les gars, les gars, faut marquer aussi de temps en temps. Dans la surface comme ça, tu peux pas. Bah, c'est fini les espoirs de titre. C'est fini, c'est fini. Peut-être, peut-être que. Devant, mais devant. T'es hors jeu ou pas? Vamos. Dans la tête, mon gars. Dans la tête. On y croit, allez. Oh là 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 là, les gars, j'ai tout donné. J'ai tout donné pour aller chercher cette victoire. Oh, je suis dégoûté de mon coup franc sur la barre transversale aussi. Oh oui, bien joué Frimpong, bien joué garçon, 2-1. Les 3 points tellement importants. Oh là là là, ça va peut-être se jouer à ça. Ça va peut-être se jouer à ça. 8-5, 2 passes décisives, on fait croquer. Hein. On fait croquer clairement, 16 tirs à 10, c'est mérité. En vrai, c'est mérité. 2-2 Arsenal City, c'est le meilleur résultat. Liverpool 2-1, Chelsea qui gagne. Chelsea et Liverpool qui arrêtent pas de gagner par contre. Bah, c'est un peu chiant. Du coup, nous, on est quatrième, le même nombre de points que City, mais avec un match d'avance. Et on a un point de retard sur Manchester United, toujours avec un match d'avance. Par contre, on a toujours 3 points d'avance sur Liverpool. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Et là, vous allez vous dire, Flo, calme-toi. Sauf que non, on peut pas se calmer, les gars. On joue Manchester City, man. Donc là, on va tout donner. Là, on donne tout. On cherche pas à comprendre. C'est chez eux, c'est chez nous. Comment ça se passe là? On va à l'Etihad Stadium. Ils sont tous fatigués, ils sont tous craqués, ils sont cramés. Ils sont cramax, les mecs, en face. Bon, on perd pas contre ça, on perd pas contre ça. Allez, c'est parti. Allez, les gars. Ils ont beau être chez eux. Ils sont moitié cramax. On va tout donner. Bon, par contre, il y a des Kevin De Bruyne, Haaland, Bernardo Silva. Bon, allez, tout de suite. Nous, c'est le collectif, nous. Hop là, c'est le collectif un peu individuel, quand même. On tente des trucs... du collectif, mais j'avoue que je croque un peu de temps en temps. Par contre, faut pas craquer trop tôt. Hein. Enfin, faut même pas craquer le plus tard possible. Super. Oh! On se calme.
Hop là. Faut que je me calme, je suis à un mauvais début de match. Je me calme, je me replace, tranquille. Ils ont dû avoir un match de coupe, je pense, en milieu de semaine, parce que bon, il doit être loin. Nous, on est déjà éliminés de la coupe, mais... Quatre minutes de jeu, on peut rien faire. Hein. On peut rien faire, allant de la puissance, la vitesse, tout. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Allez, Flo. Allez, Flo, mais non, mais arrête! C'est quoi, ça? Vas-y. Mais vas-y, va dessus. Mais je fous de ma gueule. Oh, Land qui part. Ok, ça va. Non, mais sérieux. Oh, Land, un tir, un but, attention. Oh non, on craque, mais... Oh, je suis dépité. Je suis déjà plus dans le match. On est déjà plus dans le match en 10 minutes. Plus rien faire. Faut qu'on arrête d'encaisser peut-être à chaque... Une occasion, là, ils ont fait une occasion, un tir, un but. Bon, sur le deuxième truc, c'est deux tirs, mais c'est quand même une occasion, quoi. Oh là là, on sort pas de notre camp. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dessus, mettez le pied, en fait. Vous courez à côté, vous, personne met le pied. Oh là 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 là. On se dégage, ça revient. Bon oui, lui, il passe entre les deux. Ok. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Ok, il y a peut-être un truc... Oh! Mais il fait quoi, l'arbitre? Qu'est-ce qu'il fout? Viens là. Sérieux, il y a une première faute au début. Ouais, bien joué. Oh là là, heureusement que je saute, hein. Vous avez vu, monsieur l'arbitre, encore? Elle est belle. Allez, garçon. Ah non, si on rate ça. Ah non, mais là, ça pue. Parce que là, c'est le bal de 2-1, c'est un pénalty, t'es face au but, tu peux tirer partout où tu veux, sauf sur le gardien, tu tires sur le gardien. Allez, Dani, toi, tu rates pas, toi. Ouais, c'est dur, elle était un peu trop forte, désolé. Peut-être la jouer là-haut. Oh là là. En vrai, si on met le 2-1, si on n'encaisse pas de 3ème et qu'on marque un but, on peut revenir dans le match et les faire douter. Le problème, c'est qu'il faut que mes coéquipiers m'aident un tout petit peu, quand même. Oh là là. Oh la réussite. Oh bon, là on a de la chance. Allez, on écarte, c'est bien joué. Allez, pousse. Je le fume, hein. J'y vais. J'attends. J'aurais peut-être dû la mettre sur Dani. Oh, rien du tout. Ok, monsieur l'arbitre. Non, mais on a très bien compris de manière arbitrage maison, tout ça. Bon, Haaland, par contre, faut peut-être aller dessus. On est très mal organisé. Très, très mal organisé, notre défense. C'est incroyable. Incroyable. Allez. Super. Moi, je joue tout sauf mon poste, mais c'est pas grave. Mais je vais le fumer, hein. Je vous assure que je vais le fumer. Je me suis entraîné en vitesse, c'est pas pour rien, hein. Penalty ! Aïe. Cancelo qui a essayé de revenir tout le long, j'ai rien lâché. Allez Dani, j'ai confiance en toi. Il n'y a que toi qui j'ai confiance dans cette équipe. Allez garçon. Allez Dani, c'est maintenant. Oh, ce match il va être trop dur. Ce match il va être trop dur. Psychologiquement là on vient de rater des énormes occasions, c'est pas possible. Moi, je l'attends de pied gauche, hein. Allez, 4 étoiles, mauvais pied. Si j'avais 5, peut-être que... Si j'avais eu 5 là. D'accord. Ouais, merci Martinez. Je sens que si je me barre du premier poteau... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Oui, Sterling, hein, bien sûr. En vrai, City s'en sort très très bien sur ce 2-0-1. Il aurait pu clairement avoir... Allez, moi je dis... Il aurait pu avoir 3-2. Si on marquait... C'est quoi ça? Et on aurait pu marquer le 3-2 sur deux buts, en fait, sur... Bah, tout à l'heure, ils ont mis un poteau, donc ça aurait pu rentrer. Par contre... Oh non. Aïe, j'ai le temps de rien faire. On va prendre un but là-dessus. C'est sûr, c'est écrit. De manière, vas-y, c'est la défaite, là. C'est bon, ça m'a gavé. C'est même pas mérité. Oh, il me laisse le trou. Ça serait mérité. Je suis nul à chier. Ah, vas-y, c'est bon, insultez-moi. Ah, je pue.
Voilà, il n'y a pas à discuter. Je suis en train de discuter avec mon gardien. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà, devant, on n'en plante pas une. Moi, le premier. Derrière, bah, ça pue. Et puis moi, je perds une balle encore. À chaque fois, je perds. Voilà, Haaland qui sort, ça peut être pas mal. T'as 3 euros, vous pouvez vous permettre, les gars. Mettez l'équipe bis en direct. Hein. Je l'ai fumé. Est-ce qu'il va venir? Bien joué à lui. En vrai, les gars, faut frapper aussi, hein. Bah ouais, mais je sais pas, vous êtes dans la surface, vous faites des petites passes, frappez, hein. Voilà, on est complètement seul, mais t'as... Allez. Pourquoi t'avances pas? Pourquoi tu n'avances pas? Et vous avez... Mais je sais pas, je... Il m'énerve. Ah, mais il faut vraiment que je parte dans un top club aussi, un top club européen, là. Fin de saison, on fait un top club européen. Comme ça, on fait une dernière saison en carrière pro. Et on essaye de gagner cette Ligue des Champions, championnat et tout, avec un gros club. Parce que là, Aston Villa, malheureusement, ils sont un peu limités, hein, mes frérots, là. Fin du match. Victoire de Manchester City. Équipe beaucoup trop forte pour nous, malheureusement. On a eu les occasions en début de match. Hein, balle piquée tout seul face au gardien. Il lui tire dessus. On a eu le penalty aussi. Malheureusement, on n'a pas su répondre. Et puis bah après, on a couru après le ballon. Sinon, en termes d'occasion, voilà, on se tire à 12. On était présent. Malheureusement. Malheureusement, City remporte ce match assez facilement. Alors ça va, on est toujours quatrième quand même. 2 points d'avance sur Liverpool. Mais bon... Ouais, qu'on est qu'à 5 points de Manchester City. Bah après, c'est pareil. Ils ont un match de retard encore. On verra bien. On joue contre des adversaires directs dans cette fin de saison. Manchester United, on va les jouer. Et Liverpool, on va les jouer. On va jouer ce match contre Leeds et puis on verra bien. Maintenant, on va prendre match après match. Si on gagne ce match, on pourra espérer. Si on gagne pas, on dira au revoir et puis c'est tout. Allez, Dolberg, l'ancien niçois. Et Cacré, l'ancien lyonnais. Qui sont en Premier League. Allez, les gars. Allez, on focus. C'est pas grave. Là, c'est un autre match. On s'est un peu engueulé dans le vestiaire sur le match de Mont contre Manchester City. C'est pas grave. Ah ouais. Ah ouais, bah pas de défense. Non, mais d'accord. Ok, bah cette fin de saison va être compliquée, hein. Après, je vais rien dire, mais depuis qu'on a recruté Mtiti. Voilà. Dani, tu. Non? T'as pas envie, Dani? Non, dis-moi si t'as pas envie. Ok, d'accord. Je me balade, je les vois et le ballon passe à 2 cm de mes pieds à chaque fois. Je me mets à l'entrée de la surface. Allez. Une tête, on gagne notre duel, hein. Là, l'entrée de la surface. Il y a un joueur plus un gardien, il n'y a pas les deux qui met le pied. Enfin, gardien qui sera toqué, l'autre, il sert à quoi le mec dans les buts là? Il fait quoi? Bien joué. Oh oui, un peu de réussite, allez! Oh là. Allez, pressing. C'est pas grave. C'est pas grave les gars, on va en avoir d'autres. Je suis dessus, voilà, super. Très très bien joué. Super les gars là. Ça c'est super. Allez garçon. Allez Dani. Voilà. Le buteur. Allez 2-1. On célèbre pas, on y va. On revient 2-2 avant la mi-temps là. Allez les gars. Je suis passé. Oh la technique. Je suis passé. Vamos. Oh la vitesse et la technique qui a fait la différence. Après derrière, il y a peut-être le petit coup d'épaule avec le défenseur parce qu'il a essayé de revenir à l'épaule. J'ai résisté. Là je pousse, il revient, je passe juste devant. Il me désaxe un petit peu, du coup j'ai plus d'autre choix que de lober. Tout à l'heure je l'ai tenté, c'est pas rentré. Et là cette fois-ci ça passe, c'est parfait. Lobe parfait qui vient dans le petit filet. Et du coup on revient à 2-2. On va marquer 2 buts d'affilée, là c'est parfait. Allez les gars. Petite passe courte, non? Ok. Ça revient, ça, hein? Je vous assure que ça revient. Oh, Dani. Oh, la manchette. Je l'ai pas demandé, mais c'est pas grave. Oh, c'est super, là, ça joue bien. Ouais, c'est super, ça. Oh, là, ça va au bout. Quelle action, mais... Ah ouais, t'étais serein, pourquoi t'as pas poussé un tout petit peu plus?
Dani, c'est vraiment le fouteux anglais, quoi. C'est le mec, il se pose pas de questions, il bourrine, quoi. Oh là 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 là, ça tire de partout dans ce match. 2-2 à la mi-temps. Beaucoup d'occasions des deux côtés. On a pris un coup derrière la tête, hein, quand on a pris le deuxième but, mais ça, on a su réagir. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que j'ai appuyé pour la demander, en fait il me l'avait faite, donc du coup j'étais obligé d'orienter quelque part le joystick. Mais c'était forcément sur Dani qui était déjà pris. Donc perte de balle. Super. Oh là là, ils sont combien attaqués? Mais Leeds, c'est tout pour l'attaque. Hein. On se dégage. Merci, merci, merci. T'es un crack. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Oh là 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 là. Oh le but! Superbe réflexe. Oh, ça va être dur. Oh, vas-y, je la remets derrière, il n'y a pas un joueur qui la prend. Oh là 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 là, on perd la balle à l'entrée de notre surface, les gars! Ils jouent. Et puis c'est pareil, Leeds, ils jouent comme s'ils étaient en train de perdre. Ils sont tous devant là, en train de faire un ultra pressing de matard. T'es pas hors jeu, hein? Ah ouais, mais non. Allez, un peu de réussite! Aïe, aïe, aïe! Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai assez vu pour cette saison là, ça m'a gavé. Oh la passe, Dani! Il y a un truc à faire. Oh non, non. Il y avait clairement un truc à faire. Décale en bas. Allez, Kudus. Peut-être mettre le pied, Umtiti, non? Non, non, Umtiti, t'as pas envie? Je pensais qu'il y avait hors-jeu, tu vois, sur ce but-là, mais non. Bon, bah 5-2, hein. Au moins, ça nous permettra de jouer les matchs de fin de saison libérés, quoi. Je leur envoie caviar sur caviar, ils se retrouvent encore une fois seuls, et puis au lieu d'avancer ou quoi, je sais pas, il tire sur le gardien, il a tout le côté gauche ouvert là-bas, là. Il lui tire dessus, côté fermé. Allez, si je pouvais mettre un petit coup franc, ça remettrait un peu le moral. Pas de chance, ça veut pas. Ouais, un petit but histoire de sauver l'honneur. Cacré, bah oui, Cacré, vas-y. Hein. Bah allez, un petit pénalty. Un petit pénalty pour Dani? Pour qui? Ah non, c'est même pas pour moi, hein, vu que Dani est plus là. C'est trop. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Trop de pénalty ratés, trop d'occasions ratées. C'est. Waouh, 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 waouh. Défaite 5-2, on va essayer d'accrocher un top 5 avec Aston Villa. Ce sera déjà une saison incroyable, hein. C'est juste que voilà, on avait l'opportunité de rêver pour d'avoir un petit peu mieux malheureusement. Oh là, Liverpool, Chelsea qui perd, on s'en fiche. Manchester City, bon, Manchester United qui a gagné. On aura notre petite finale contre Manchester United et puis Liverpool et puis voilà. Hein. On va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Après, on est cinquième. On n'était pas loin de Liverpool. On était devant Liverpool pendant un long moment. On peut repasser devant Liverpool en soi parce qu'ils ont un match d'avance. Donc on peut récupérer une quatrième place et revenir à un point d'Arsenal. Bon, ça passe par un gros résultat contre les Spurs. Les Spurs qui sont septième, ils vont vouloir remonter. Ils ont du Harry Kane, ils ont que du lourd. Donc ça va être très 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 compliqué. Martinez qui a 85, moi aussi. Kudus 84, bon le reste on s'en fiche un petit peu en vrai. Umtiti 80 de général, c'est devenu un vieux joueur. Au niveau des stats, Dani 19 buts, 6 passes D, il est présent. Kudus 10 buts, 3 passes D, moi je suis à 9 buts, 14 passes décisives, 7 buts pour El Ghazi, 13 et 6 buts de passes D, 5 buts et 10 passes décisives pour McGinn, le capitaine. Voilà voilà pour les stats, j'espère que vous avez quand même apprécié. J'ai hâte de terminer cette saison et de partir dans un top club pour faire une ultime saison, parce que ouais, j'ai envie de faire une ultime saison en carrière pro, et puis on verra bien, ce sera forcément un top club, et j'hésite à peut-être changer de poste et peut-être finir ma dernière saison en BU, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez qu'il faudrait que je reste milieu gauche ou ma dernière saison je la passe en BU, et puis on se revoit pour le dernier épisode de cette saison avec Aston Villa la semaine prochaine, et ou dans quelques jours, je sais pas, je vais voir. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé cet épisode des escrocs, c'était Flo Knox Omad.